Akao, que ta mort ne tue pas ta vie, ces derniers romans que vous publiez dans la fin année 2022 qui paraît dans ces trois éditions. C'est un roman historique. Ma vie commençait entrevue à avec question ça, une question assez simple. Et pourquoi cet hommage à Jean-Jacques Akao? C'est une vieille promesse. Son promesse que m'a fait tête moi depuis de très très longues années. D'ailleurs, tout roman que m'écrit, qui c'est des romans historiques, ce sont des promesses que m'a fait tête moi, que c'est Courage et Frère, que c'est la prison des jours, l'âge du tigre, Akao, le sang des citoyens, la dernière nuit de Sénatus le Comte, Sylvain Salnave, toutes ces des textes que m'a réfléchi sur depuis l'âme de l'école, que m'a enrichi documentation sous yo, m'brassam pour m'bâtir yo, et puis jusqu'à ce que l'homme senti yo prêt m'a couché. Donc, c'est une vieille promesse parce que m'estimer que Akao, particulièrement, parce que c'est de lui qu'il choisit, c'est de lui qu'il s'agit. Akao, c'est un personnage qui sortit de l'ordinaire. Leader paysan, qui posait dans le langage d'un alphabet li, le problème de sa le développement inégal là, ça veut dire que ma travail, ma sué, ma produit denrées, ma produit vive, mais c'est ou même qui a fixé prix. Et l'homme besoin acheter dans main, c'est ou même tout qui fixe prix. Li pose problème instruction publique là, li pose problème donc de sa les inégalités qui existent entre le monde paysan et le monde urbain. L'exploitation du paysan à tout point de vue, Akao allait plus loin encore que Gourmand. Parce que Akao, du point de vue politique, l'y ébranlait tout au péninsule, l'y même rivé ébranlé par au prince, et très vite, Monterrey, monsieur, l'expression achevée de la lutte des classes. Et la lutte des classes, c'est le moteur de l'histoire. Et Akao, dans l'histoire paysan, encore une fois, dans le langage d'Illettril, c'est lui-même qui était traduit très bien, question de couleur, question économique. L'homme s'était dit, eh bien, dépend mon nous gagne l'argent, ou c'est mulat, dépend mon nous pauvre, c'est négnoyé. En réalité, vraie question, c'est question, qu'est-ce qui gagne comme, qu'est-ce qui pas gagne comme. Question de couleur, son masque que lié, que utilisé pour tromper les peuples haïtiens, surtout messieurs politiciens noirs. Mais en réalité, leur besoin de découper. Il n'y a pas de problème pour Yoshita avec bourgeois mulat là. Et c'est ça qui fait Akao tout. Parce que c'est M. Sao, ensemble, qui inaugure Sao les politiques WA. Et côté, on peut le faire, on nous comprend. Depuis, on est au pouvoir, c'est peuple au pouvoir. Alors qu'en fait, son entente, son masque que lié pour continuer l'exploitation masse populaire. Donc, en d'autres termes, voici un personnage qui ont espèce de à demi lettré, d'un coup Louis-Joseph Gervais Tédil, qui ont alphabet de génie, qui sont un produit de milieu, qui sont produits d'époque, avec toute contradiction qui traverse elle, et qui est à la tête du premier mouvement paysan réellement puissant dans l'histoire pays, et qui pourra le quitter trace. C'est ça, on peut le mouvement Piquet. Piquet parce qu'il n'y a pas de bien âme, sinon que pique, sinon que fouche. Qui parle à la tête de ça, les armées souffrantes là, ça veut dire armées moun kap souffri vre yo. Moun ki pote pays à sous de yo. Moun ki se descendant esclave, qui vient cultivateur, que tout ça l'ouverture, Christophe Dessalines, qui fait travail, sous grande propriété à coup de fouette, dans un état voisin de l'esclavage. Qui c'est, on constitué par Mounsayo, qui en réalité assuré production PIA, assuré budget PIA, ça y'a pas joindre en rien passé ça. Donc, je crois que, en tant qu'haïtien, et en tant que moun, qui sorti côté me sorti, dans l'école idéologique que me sorti, j'ai toujours considéré que me gon dette envers le personnage ça, et c'est ça fait me point somme, pour me t'accoucher de roman ça, Akao, que ta mort ne tue pas ta vie, ça veut dire que, qu'on qualité cause, on est grand massé dans la vie ou, eh bien, vous faites pour mourir campé. Il ne faut pas que mort façon mourir craché, surtout sorte gourmet pour te défendre l'autre vivant.
et me s'est assumé jusqu'au bout. Pour le qu'il rende tête lui, il s'est suicidé. C'est la dernière cartouche. Ouais. Dernière cartouche là, il s'est réel pour tête pâle, parce qu'il dit qu'il pas tombé vivant dans mes ennemis de classe lui, pour aller traîner dans la rue, tant qu'on macaque, pour faire les grands dons plaisir, pour faire les politiciens plaisir, pour montrer que nous prenons, mais qui t'a fait une paix à nous prendre. Et puis tu es dans une goutte là, qui c'est goutte qui est dans une zone jolie, dans une zone de savon. Tout à fait, c'était pour la prochaine question. Moi-même, comme nèg dans le sud, le map li ouvrage là, c'est comme si je me sentais c'est dans le sud, dans la forteresse des plateaux, dans les montagnes du sud. Où tu as visité zone ça avant d'écrire le roman, pour que ça soit aussi facile pour me sentir que c'est dans la zone ça au mieux, avec des détails qu'on mettait qui montraient que c'est. Comment on fait ça? Pabli, je me suis dit tout à l'heure, chaque roman historique que j'ai pris, eh bien, maturité, macération roman, ramasser documents, toute qualité documents, documents écrits, documents physiques, aller dans la zone, chaque roman, ça a eu au moins 30 ans d'histoire derrière, 30 ans de recherche, 30 ans de marché, de descente, de palamoun, aller dans la zone. Parce que moi-même, sortant dans l'école, qui dit, lorsqu'on a un pays et qu'on veut défendre, il faut qu'on consente, même l'on zèbre à pousser au côté de Naveo. Et c'est ça que fait le mapé contexte, par exemple, de Tessakawa. Je me sens pour me traverser toute zone ça, pour me sentir terre, pour me sentir pied bois, pour me sentir de l'eau, pour me sentir roche, pour me sentir Namakawa. Jusqu'à présent, qu'il l'a. Parce que revendication paysanne, de trahir, surtout bonne politicien, ça y a un cap d'où, ces petites soyez, ces petites paysans, ces petites traites qui existent. C'est eux-mêmes qui vendent paysans, c'est eux qui trahissent, c'est eux-mêmes qui mettent des âmes dans mes petits levines de la ville, qui parlent l'autre mois et puis ils vivent. C'est eux-mêmes qui mettent drogue dans mes yeux. Mounza, c'est des mounes de quoi, kaou, pour même mieux fusiller, c'est eux. Parce que c'est eux-mêmes qui traitent, c'est eux-mêmes qui vendent pays à blanc. C'est eux-mêmes qui vendent toute force courage paysan. Et mais justement, ou après, dans le roman tout, je sais pas, mi moun qui était dans l'entourage à K.O., qui t'a pris pose, qui t'a défendu même cause avec elle, qui trahit, qui vendent, et qui participait justement dans la défaite, li. Qui dit, mais côté lié, à le prendre. Ça, c'est pas pour toi, encore une fois, que déjà à l'époque, voici, on est quitte à peine lettré. Je te comprends le problème. Il y a pas ça pile, mais qui fait licence, qui fait maîtrise, qui fait doctorat, qui a fait menti, vacabon à cravate. Je te comprends le problème dans le dédo. Cherchez qu'on est côté intérêt poche, yon mounier. Ou à comprendre tout ça le dit et tout ça le fait. Et ou à connaître si l'ennemi ou bien si c'est pour lier. C'est pour en faire couler. C'est pour en faire même côté de rété. C'est pour en faire le semblou. Et pas vrai. Puis, comment tu gagnes, ça fait des. Et tout ça semble rassembler. Et pas vrai. Ça n'existe pas. C'est Dredd qui dit ça. Et à cause tu comprends tout ça. Donc, moi, je pense que son personnage, vraiment hors de l'ordinaire, qui pour moi, même dans l'histoire pays, dans l'histoire lutte populaire, yo. Pour parler de l'autre personnage qui parle de tant d'importance, et m'écrit sous lui déjà, et sans doute dans le livre fou, les mouniables capables d'acheter au moment ça, c'est Sylvain Salnave, la douce amère, et le Sylvain Salnave, lui-même tout, quand il encerclé, eh bien, à qui ça va le faire appel aux descendants d'Akao? Magie. C'est eux-mêmes qui peuvent aller soulever dans le sud, et qui peut desserrer et traîner ça, qui t'a tout fait ça le nav dans le siège pour nous ça. Et yo même tout, yo pas songer mot à Kaoua, parce qu'ils ont tombé sous ça le nav, yo ça le nav, son mulat, yo, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis yo pas songer à Kaoua, t'es dit, yo, depuis 20 ans passé, pas gade moun sous question coulée. Parce que bien souvent, son masque lié. Nek qui semble là, la plupart du temps, c'est lui qui a trahi. Ouvert jour pour comprendre côté intérêt l'argent, d'abord.
Akao, c'est prise d'armes contre Rivière Erreur en 1844, contre Philippe Guerrier, contre Louis Pierrot, et avant que Richer gagne raison sous lui. Akao tout, M. Soukar, c'est ses amours avec Caroline, ses alliances politiques, son procès, négociation pouvoir et Richer a pouté Bernili. C'est tout ça dans le roman. Et au présent, il pas sous forme de récit et de A jusqu'à Z, mais plutôt sous forme un dialogue entre les différents personnages. Oui, effectivement, en tant qu'on critique dit, c'est une sorte de polyphonie. Ça veut dire que c'est une alternance de voix. Ça parle. Oui, c'est un. C'est en construction, de, ouais, que c'est la meilleure façon pour bah, chaque personnage qui représente un couche social, qui représente un pays, et la parole pour capable de présenter tête libre, présenter intérêt, la défendre, et puis pour faire action en marché. Alors, faut mettre une petite parenthèse. Personnage Caroline Akawa, j'en lis dans le roman parce que c'est un roman. Et un roman pour moi-même, je n'ai pas écrit en tant qu'historien. Il y a deux objectifs pour moi. Premièrement, en tant que roman, il est fait pour détendre le monde, il est fait pour distraire, il est fait pour l'abuser. Mais en tant qu'historien, préoccupation, tout faut m'instruire. Il faut comprendre le pays, il faut comprendre comment il faut arriver là. Il ne faut pas tomber du ciel. Mais en même temps, tout, le roman, il fait dialogue, il fait discussion, il fait narration, il fait portrait. Il joue tout des fois. Même si je respecte la vérité historique là, pour m'instruire mon yo à 90%, dans le cas de Caroline, jusqu'à présent, c'est pas clair. Hein? Il y a des gens qui disent que c'était Madame Lee, il y a des gens qui disent que c'était Petite Lee. Bon, dans le roman, c'est vrai, bah, femme en place, important. Et bien souvent, femme qu'on a en plus recul que garçon, dans pile bagaille. Qu'on a plus dans de l'observation, instinct de femme mieux qu'on ne pas tromper. Et Caroline joue Walter, côté l'abdi à Caro, attention. Ou même ou bâtir tout. Mais ça ne veut pas dire monde qui paraît le même genre. Ou même ou symbolise une cause. Mais monde qui paraît au cavalier, vous avez des affaires pas besoin de régler. C'est pas fait paysan, rien besoin de régler. Et avant nous pour ça, c'est le photo. Et monde qui fasse nous, il utilise pas seulement la violence, il utilise la corruption tout. Il offre mon poste, il offre mon grade, il offre mon l'argent. Et il a marché là-dedans. Faites attention pour pas mourir mal. Parce que nous prenons ces petites fois là pour les vêtements. Donc, il y a toute préoccupation qui vient avec le personnage Caroline. Non? Et puis, dans le roman, tout le monde a une origine. Belle chanteuse ça qui est dans le folklore noir. Caroline Akawa. Chanteuse qui est Caroline Akawa. Son femme n'a pas salué. Qui était composée, chanteuse ça. Maintenant, comment lire Akawa en 2023? Avec ces constats que nous connaissons, avec les âmes qui ont chanté un peu partout et à travers le pays, ingérence communauté internationale, gouvernement de doublure, menez-nous dans un chaos, dans un contexte que nous vivons là, et Michel Soukar. Bon, tout d'abord, les problèmes de fond sont encore là. La paysannerie haïtienne, ça fait longtemps que puissance étrangère identifie le. Comme soc, comme rocher de résistance Haïti. Donc c'est ça que fait qu'ils ont venu avec un paquet politique, donc politique néolibérale là, pour qu'ils pètent fiel à Haïti, ils ont pété fiel paysanien. À Kaoté déjà, il y a un problème, j'en ai dit, à échanger inégal là. Ils ont même venu avec un bagage qui est le néolibéralisme. Ouvert pays pour marcher 10 jours à rentrer pour détruire la production locale. Qui chita sous travail paysan? Et à partir de ce moment-là, ils ont détruit la production paysanne, ils ont détruit dans un pays. C'est ça qu'ils ont réussi à faire pendant ces 30 dernières années, après qu'ils ont été fin de manger cochon créole et dans la campagne d'éradication de la peste. Ils ont mangé poule dans la campagne, ils ont détruit. Non, ça. En plus, mon baron de ça, parce que Jean-Claude Duvalet, ça a fait, que tu as fait un gaz, c'était le phénitotion, la campagne pour détruire vos laïos, les offres détruites pour l'eau. Donc, il a toujours identifié, depuis l'occupation américaine de 1915-1934, il a identifié que résistance peuple haïtien, c'est paysanien, et paysanien, c'est la petite propriété,
qui chita sous exploitation agricole, vivli, si nan récolte fait, volaille, bétail, c'est ça qui nan nan cœur pays. Donc, c'est pour détruire ça, bagaille, encore. Donc, depuis le ça, ouais, qui a carré à son nom, qui est encore actuel. Et c'est la raison pour laquelle, bon côté, on va aller dans la diaspora, en Guyane, par exemple, en Martinique, en Guadeloupe, et qu'il y a des côtés aux États-Unis, ce sont des paysans haïtiens que yo fuck top, yo crasé beaucoup d'yo, qu'on obligé quitter le pays, et puis y'a le refaire agriculture en Guyane, y'a le refaire agriculture en Guadeloupe, en Martinique. Soit aller par exemple, zone Wapalé là, zone Akin, zone Vieux-Boudakin, zone Nip, etc. Ou après que toute zone Guyane, Martinique, Guadeloupe, plein moun sa yo qui sorti dans ce pays là. Et puis c'est au même qu'on y a là qui a pédé moun qui était bon la kayo dans le sud là. Donc, c'est là la grande actualité d'Akao. Ça veut dire que ça tape dit depuis 1944-46, puissance étrangère yo, yo admet que c'est vrai. Que ces paysannes qui n'ont pas de pays, c'est hein? Pour manger paysannes, pas Haïti encore. Pas Haïti du point de vue économique, pas Haïti du point de vue culturel encore. Et le Sahara, son pays qui a la volo. Et c'est ça qui vient pendant ces 30 dernières années. Ça veut dire que si nous ne faisons pas attention, et pas qu'on nous fasse attention à rien de sérieux, eh bien, le Sahara, ou pas arriver non point, d'ici peu de temps, le peu qui reste de la paysannerie haïtienne, donc d'Haïti, a disparu. Mais, Akao, c'est pas seulement paysan, mais c'est monde qui tape goumen pour un paquet de causes, vous souteniez ça tout à l'heure, et pour instruction publique, pour qui tape bataille contre inégalité. Et message ça, frère, ça que avocali te dit que ta mort ne tue pas ta vie. D'ailleurs, c'est sous-titre ouvrage ou c'est un message que nous capable bail avec moun qui était en Haïti dans un contexte assez difficile, assez périlleux et qui voulait continuer goumen pour un meilleur lendemain dans le pays. Monsieur Souka, son message universel, pas veut dire être fidèle à vous-même, pas trahir tout. Pas trahir contre sorti, pas trahir pays où. Si on fait vivre ou à vous même bon cause, et puis, lors ils vont un moment donné, les balles arrêtent tout bon vrai, et puis, ou vendent dans mon, bah diable, ou trahir tête tout. Et puis, les finis, ils vont côté pas besoin encore, et pour mourir tant qu'on chien, il y a plus qui d'autre. Parce que, ennemi en lui-même, s'il combat avec le méprisé, c'est traite. Même quand le corrompu, ou vend secret pareil, ou vend cause ou t'as défendu, mais le méprise. Qui ça là-bas? Là bon cop. Là bon côté pour aller vivre, ou même à fond. Mais en réalité, qui ça là-bas vraiment? C'est le mépris. Parce qu'au fond, lui-même, le défend pays, lui t'a fait même bagarre avec Akao. Lui a fait même bagaille avec Antoine Pierre-Paul dans la prison des jours qui prend les armes contre les Américains, que me racontait l'histoire dans la prison des jours. Il a fait même bagaille ça. Et les douli. C'est tout à fait normal lorsque c'est monde pour défendre le pays ou pour défendre le peuple. Mais lui-même était recommandé pour le corrompre pour qu'il ne trahir tout le bagaille ça. Et mais l'offre, il est bon pour lui. Mais en réalité, il est méprisé. Parce que lui n'est pas un monde. Pas un. Alors, que ta mort ne tue pas ta vie. Ça veut dire être fidèle à vous-même jusqu'au bout. Être fidèle à vous-même jusqu'au bout. Et si vous mourrez pour cause que vous décidez de défendre, pour te décider d'embrasser, eh bien mourrez pour lui. Au moins, façon qu'on te vit, façon mourir, a pas laissé dans l'histoire un message que personne ne peut effacer. Personne. Et nous avons plein d'exemples comme ça, que c'est dans l'histoire universelle, que c'est dans l'histoire là quand nous. Comprend des mondes comme Charmin Peralt, comprend des mondes comme Spartacus, comprend des mondes comme un paquet comme ça, Faramundo Marti, César Sandino, etc. C'est des mondes que l'homme n'a pas tué vivre. Il nous faut des Akao dans l'élite politique, l'élite économique, là, il nous faut plus d'Akao. Il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde d'abord.
il faut d'abord que nous-mêmes, qui gagnons un micro, qui gagnons une plume, qui ont l'histoire pays, qui ont intérêt peuple nous, c'est pour nous faire travail, nous, pour nous aider, jeunes, à comprendre. Ta réa, qui est-ce qui mette là-dedans? Qui est-ce qui est mieux? Qui est-ce qui est allié? Ou même pas des amis? Parce que, l'on a défendu nos pays, ou pas des amis, ou des intérêts. Et ou des mondes qui ont des intérêts par eux, donc cap combattre des intérêts pour là. Donc il faut que nous capables de former les jeunes de façon à ce que, à KO faire l'histoire parle, je ne pas dire que vous venez d'autres à KO. Puis on vient d'autres châlements impériales, on va dire ça. Mais puis on vient des mounes tout bon. Des haïtiens dignes de ce nom, des haïtiennes dignes de ce nom, qui défendent la dignité d'haïtiens, qui défendent la dignité du pays. C'est ça qu'il faut. Robertson. Non, ma tante dit professeur Soka avec beaucoup d'attention et merci Dani pour. Pour les interviews à fluide et qualité de réponse, professeur Soka. Mais moi, je vais pas dire pour le dire. C'est à la tête, il y a des dettes pour l'écrit, le roman, ça. C'est une construction d'une trentaine d'années. Il dit école idéologique qui sortit, ça fait qu'il y a des dettes. Professeur, par curiosité, de qui l'école idéologique va parler, s'il vous plaît? Bon, Robertson Mabjon Bagay. Moi-même, je suis un monde qui sortit de ça, de l'étude de la pensée marxiste. Mais reconnaître et m'admettre que le moteur de l'histoire, c'est la lutte des classes. Parce que il y a deux bagailles, l'on m'a dit que le marxisme influence, malgré ses limites, parce que le marxisme a grand pile limite, d'accord tout corps de doctrine que les hommes accouchés. C'est pas seulement reconnaître que les problèmes fondamentaux sont les problèmes économiques, les problèmes financiers, qui peuvent déterminer une bonne bagaille, nos sociétés. Mais c'est admettre que l'affrontement social, la lutte des classes, à partir justement de la défense de ses intérêts, c'est lui-même qui fait l'histoire avancer. Depuis qu'on a quoi, deux bagages ça, fondamentaux marxistes, on a quoi avec. Maintenant, qu'on croit en Dieu, pas quoi en Dieu, il vient secondaire. Qu'on bon l'autre bagage qui vient secondaire. Ou quand même, prenons l'autre route, mais à partir du moment qu'on clair sur ça, qu'on pas nan menti, qu'on connaît que les fondamentaux, c'est quoi? Ce sont les intérêts matériels. Et qu'au nom de ces intérêts matériels, dans la société, les classes sociales luttent entre elles, l'une contre l'autre, de manière à ce que pour avoir le pouvoir et défendre leurs intérêts, et qu'on reconnaît que le moteur, c'est ça qui fait avancer l'histoire, eh bien, où saisit la logique marxiste? Bon, maintenant, à partir de cela, ou capable de venir aux révolutionnaires, ou capable de venir aux réformateurs, ou capable d'adapter le travail ou à contexte historique, quoi, vivre là. Ou quand même vivre un homme, ou quand même venir comme capable de un homme de la gauche modérée. Ça n'a pas dit pourtant qu'on soit ni un socialiste, ni un communiste, non. Mais formation, faut comprendre, mais qui j'ai pour identifier problème, et mais qui j'ai qu'on calderait dégager des pistes de solutions, et des pistes de sortie de crise. Mais t'as sans pas le proposer, hein, les capables, pour aller vite, ou alternative libérale, ou alternative à caractère, je dirais, national, ça dépend. Mais, c'est toute la différence entre la formation idéologique, la formation intellectuelle, et puis maintenant, la praxis politique. Mais une influence et l'autre. Voilà. Merci pour réponse là qui t'ai moi dit que m'était lycée l'homme dès qu'on attendait où m'a découvert Sylvain Sanlav, m'a découvert Omar Torrijos, m'a découvert Thomas Sankara, Emiliano Zapata et m'a découvert un paquet de gros garçons et là on retournait un peu plus et sous des gros tontons garçons qui marquent l'histoire nous depuis le 19e siècle là et pendant le 20e siècle là, donc tout on travaille et pendant l'invité d'honneur, on a vu la profondeur de ce travail et il va falloir sa occasion pour mon nous replonger dans toute œuvre ça. Est-ce qu'on a évoqué différents ouvrages qui dans œuvre ça, si mon nous était raté, par exemple,
et Courage Frère, ou bien t'es raté et Roman sur Sylvain Salavla, ou bien d'autres ouvrages que fait sur des grandes figures de l'histoire. L'occasion de d'évoquer ces grands titres-là, parce que Mounio a toujours une occasion ça pour acheter à 40% réduction et tout, à approprier ou réapproprier ou faire acquisition ou faire de nouvelles acquisitions de travail ça, bon, c'est sûr. Les titres. Bon, tout d'abord, Robinson, on nous dit que du point de vue roman, œuvre commencé avec Courage et Frère, qui était sorti en 2009, ensuite en 2011, et il continue avec L'Âge du Tigre, qui racontait la guerre civile entre Firmin et Noralexie en 1902. Il continue avec La Prison des Jours, qui racontait la première prise d'armes par Antoine Pierre-Paul contre l'occupation américaine en plein Port-au-Prince, le 5 janvier 1916. Ensuite, La Dernière Nuit de Cincinnatus le Comte, qui essayait de percer le mystère le plus épais de l'histoire d'Haïti, parce que ils ont pas les environnements, pas les à sauter à tout ton président, 300 monde là-dedans, dans tous les pays du monde, ils sont pas enragés. Ensuite, Le Sang du Citoyen, qui sont au moment qui raconte une histoire avec Dépassé Jacques Mel, qui sont affrontements entre un monde qui sont militaires, qui croient dans le pouvoir martial, brutal, et puis on civils qui sont libérales, démocrates. Et bon, Sylvain Salnave, bon, qui lui-même représentait dans l'histoire d'Haïti, qui est président grâce à l'appui des masses populaires urbaines du Cap, de Port-au-Prince, etc. Et puis en partie de la paysannerie du Sud. C'est peut-être le leader populaire qui a le plus secoué l'histoire d'Haïti, mais avec limite populiste. Et puis, bon, bien sûr, maintenant, on vient de gagner Jean-Jacques Cacao. Maintenant, je nous dis, si on moune à fond étude, à fond réflexion, sous parcours, en tant que romancier, ou après, il y a une préoccupation fondamentale. Instruire les gens, faire comprendre quand ils sont sortis, de les distraire parce que c'est des romans, mais en même temps, tout, faire comprendre que qu'on fil conducteur dans tout ça qui passé qui mène nous côté nu là. Fil conducteur c'est qui ça? C'est qu'au grand pays qui fête le 1er janvier 1804 qui est Haïti. Gédéné qui campait sous place d'armes gonaïve qui font pays pour yo. Yo pas font pays pour ces esclaves qui parlent vin cultivateur. Moun ça au fait pour travailler avec yo. À leurs conditions. Pour planter ça, vous voulez que vous même comme propriétaire, vous plantez. Et pour acheter le nom à vous, après que vous voulez. Pour vous vendre après que vous voulez. C'est ça que fait le 1er janvier 1804. Et c'est ça que fait de 1802 jusqu'à fin 1803, ces hommes qui prennent le signe à l'indépendance là, ils ont mené deux guerres. Ils ont mené une guerre pour chasser l'armée française, mais ils ont mené une guerre tout contre les leaders populaires. Ça veut dire, la modérance, les sans-soucis, les petits Noël prières, ils ont pris le fusil d'extérieur, parce que M. Sao était déjà, ouais, que les Dessalines, les Pétions, et bien avant, tout ça l'ouverture, M. Sao voulait faire leur pays, mais son pays pour eux. Côté eux-mêmes, petits Africains, que y aurait les beaux salles là. Que yon même, qui vivent là comme anciens esclaves, qui viennent cultivateurs, yon fait pleurer avec yon. Yon pas gen droit à la terre, yon pas gen droit même gon côté pour yon faire vivre, pour yon faire patates, bananes, pour yon manger. 1er janvier 1804, contradiction en fait clé. Gon ti moun qui fait là, papa a dit, c'est pour moi petit là et maman pas gon ken droit. Parce que, il n'y a pas fait payer à pourquoi. Le 18 mai 1803, réunion faite la CAE, ce n'est pas ta fait de rapport que tu as réglé. Pas aucun a fait de rapport qui est faite la CAE. C'est un mythe. Ce que tu as réglé, c'est des partages de pouvoir. Ce que tu as réglé, c'est des ententes entre ces grands hommes, que nous capables de les grands chefs nouveaux libres, comment c'est libre, les Dessalines, les Pétions, M. Sao. Qui a pensé râler sous yo, les leaders populaires, de la modérance méfiant, parce que le nec, ça n'a pas fait confiance, c'est pas fini, il voyait congé, il voyait la porte, et d'ailleurs, disons-le en passant,
Noir et rouge là, il n'y a pas de drapeau de salinité. Noir et rouge là, il y a des drapeaux de l'amour de l'hostité. Et dès que c'est quoi, on s'y a, les Dessalines assassinent l'amour de l'hostité, tout bon drapeau à tout. Parce que pour lui-même, il prend force mystique l'amour de l'hostité. Parce que les gens s'arrêtent l'amour de l'hostité pendant le cas, dans le camp Gérard. Les 10 frères, les 10 nègres dans le studio, pendant que je parle avec nous là, a fait crêler la modérance avec Congo, à m'a crasé Bundassa. Et puis les 10 futurs présidents d'Haïti, Philippe Guerrier, l'a mis la patte sous monsieur, l'a mené le marché en bas, dans le choual. Pas quitter le pied, le toucher de l'eau. Parce que si le pied, le toucher de l'eau, l'a disparaître dans le monde. Parce que c'est une croyance, vrai ou faux, c'est une croyance. Les êtres humains sont comme ça. Et puis, quand il y a le même machin Bali, le retourne machin, il tue. Et puis, il prend tout ça, le dégain. Tout drapeau noir et rouge. Mais quand il y a drapeau noir et rouge, sorti. Quand il y a là, laisse à fête. Pendant ce temps, Christophe tue sans souci. Christophe tue Petit Noël Prière, qui étaient les équivalents des leaders populaires, tant que la modérance dans le Nord. Dans le Nord, les gars menaient deux guerres à la fois. Ils mettent les Français dehors, et puis les masses populaires avec leurs leaders, ces grands chefs, eh bien, ils mettaient eux hors jeu. Ça veut dire, ils font pays pour eux. Et où te voient déjà, depuis notre système Toussaint, Toussaint font pays pour des élites. Christophe réplique-il. Peuple a fait, masse l'a fait pour soumettre lui. Pour le travail, derrière tout cet éclair sous ça. On va gagner l'argent pour acheter 50 cas, autant on va gagner t'es. Dans le monde, t'es tout. Et travail pour le travail à monde. Et vous pas d'accord dans plein monde à coup de baron. C'est écrit noir sur blanc. Hein? Donc, depuis longtemps, monsieur Sayo, la modérance surtout, te rendu compte, négio, décide de son pays, parce que blanc français a décidé de tuer eux. Si le français n'a pas de vin tuer, si le français n'a pas de vin rétablir l'esclavage, n'est-ce pas d'abri en faillite, non? Donc, n'est-ce pas, la modérance se rendit compte, tout le monde sait au leader populaire, n'est-ce pas, vivre contre blanc parce que blanc n'a pas joué avec eux. Mais ils font pays pour intérêt pas, masse paladin, masse domestique, masse néo-esclave. Donc, c'est pour ça que je dis, problème non situé depuis lors. Donc, au Montaku Goma, et principalement Montaku Akao, et bien 40 ans après 1804, problème n'a pété avec Akao. Akao dit, mais attendez, non, finalement, pays là, c'est nous seulement qui te fait. C'est petit nous seulement qui a lycée national Port-au-Prince, qui a allé, notre détoile à l'école nous mettait, mais nous-mêmes dans le bois là, nous n'en fait noir. Nous n'en fait noir. Nous pas n'en rien. C'est un coup esclave, nous, et il faut dire quand même une chose, un petit bémol, et rares sont les historiens qui en parlent, parce que depuis longtemps, c'est l'interprétation noiriste de l'histoire d'Haïti qui prédomine. Seul mec qui s'est senti problème, non, c'était Pétion. Parce que les gommes après les armes, Pétion font lettre. Que seule l'historienne haïtienne Myrta Gilbert a eu l'honnêteté de publier dans son étude sur Goma. Côté Pétion, rappelez, messieurs, petit cultivateur, quand les paysans, ils ont des droits à la tête, oui, attendez, c'est pas nous seulement qui t'es fait payer, hein, non? Ils ont fait pour nous joindre, nous pas qu'à venir prendre tout pour nous. Et c'est la raison pour laquelle, là, on commence à appliquer constipation de la grandance, insurrection gourmand commence à baisser. Parce que les paysans commencent à joindre une série de satisfactions. Mais les pétions mourent. Vous voyez, pour un pouvoir. Pour employer un vocabulaire, mot contemporain. L'extrême droite retourne. Et vous voyez, pour le craser des gourmands. Et puis vous voyez, pour le dire, la République n'a pas besoin de baron. Ça le dit, c'est vrai. Mais pour le bagage marron, il faut être inclusif. On se basé sur l'exclusion. Voici le problème. Et le problème, pour aller rejaillir 20 ans plus tard avec Akao.
Maintenant, le nous arrive, il faut nous aller, mais t'as qu'à passer toute journée là, attendez, vous faites tout cas. Là, c'est une violence systémique organisée, conséquence de l'exclusion, c'est des contradictions, des rapports de force, c'est la fourberie, c'est la corruption, qui toujours finit par être préjudiciable et à la majorité d'entre nous, au peuple haïtien. Maintenant, dernière petite question, même temps, ils m'ont répondu en une minute. Et pourquoi faut-il évoquer l'histoire, Jean-Marc Lala, sans angélisme, sans tentation de, sans romantisme, pour dire la vérité crue telle qu'elle est? Et pourquoi faut-il faire cet exercice aujourd'hui plus qu'hier? Et ben, c'est vraiment dernière question. Hein? Bon, moi, c'est pour ce côté, parce que l'aide nous finit déjà. Parce que pour sortir dans les dénouillés, il faut garder tête nous dans la glace, sans pas baisser les gènes. Pour nous, les problèmes, j'en ai. Depuis nous avons tête, nous mentir, nous pas sortir côté de là. Depuis nous continuons à faire moun rouge, moun noir, moun nord, moun bordeaux presse, moun nan stid, tout pile l'obé ça, que vous mettez là pour dire, que vous mettez pour diviser nous, que nous inventons tout, nous pas sortir. Faut nous garder bail aux gens réels. Faut nous mettre tout cacachat dehors. Il faut tout déballer. Et moi dis, 1er janvier 1804, nous font pays pour eux. Masse parade. Masse par le travail pour nous, point final. Si vous pas d'accord, la foutre zamzou. Parce que moi, bon temps dans ce qu'on y a là, de réinventer, comme tu as dit là, des héros, de faire comprendre qu'ils étaient ceci, c'est pas vrai. Les gens font pays pour eux, pour toute terre. Qu'on y a un goût même pour terre de saline mouille. Parce que ça t'a passé comme ça. Et puis qu'on y a là, dès qu'on y a là, où il y a des gens qui comprennent, qui parlent de l'expression, avec gourmand, avec cacao. Et sous Christophe tout, dans le nord à tout, il y a des qui parlent dans le nord-ouest, qui parlent de révolter tout. Parce que, ouais, que, les gars, pour le pays, pour l'autre, les gars, comment c'est eux-mêmes seuls qui se mettent blanc dehors? Alors que c'est pas vrai. Merci, oui. Et là, nous avons vu la cyclique, là, parce que, depuis qu'il y a inégalité, exclusion et système basé sur violence, et violence, ça propose une violence, parce que l'homme subit violence. C'est des réactions violentes face à la violence. Donc, nous sommes dans une spirale depuis la fondation de l'État d'Haïti. Là, c'est clair. Bon, vous êtes sur Kamé, si oui. On nous dit tout de suite. Qu'on le veut ou pas, la violence est dans la vie. On est dans la violence. Une femme qui a poussé son petit, qui souffre, les larmes, qui s'en coulé. La violence, c'est la grande accoucheuse de l'histoire. Point. Maintenant, il y a la violence réactionnaire. Ça veut dire que des gens qui font violence pour mettre ni pays à janvier, hein? Je sais pas à Makout, je sais pas à Zinglin, je sais pas à Gang, je sais pas à force armée étrangère, parce que pays a bon pour eux janvier, hein? Ça c'est la violence réactionnaire, conservatrice. Maintenant, vous gagnez tout, par certains moments de l'histoire, une violence qui veut changer les choses. Bon, nous pas pour dire que c'est une violence révolutionnaire, mais elle développe un progrès, elle développe un changement. Mais le problème que nous gagnons depuis 20-30 ans, c'est que nous n'avons pas une expression politique réellement progressiste, réellement éclairée, qui pour canaliser, lutte populaire. Où t'es gagné en gauche, qu'elle voterait dans l'anarcho-populisme lavalassien, côté négal réglé à faire, côté pendant longtemps, Duval était servi de cacher péché. Quand il y a des monnaies qui étaient contre Duvalier, ils étaient passés pour mon sérieux, mais il a fallu que Duvalier tombe, puis on voit que c'était parce que Duvalier n'est pas de servatio. Et puis il volait autant dans la valance que Duvalieriste a volé sous Duvalier. Et depuis lors, ça aurait la gauche là, qui t'a là, pour ta fond travail réellement d'organisation, d'éclairage, un travail progressiste, eh bien, les fondiers, ils n'existent pas existent encore. Donc, à partir de ce moment-là, des bons peuples pas d'encadrement d'organisation. Les pas d'avant-garde. Qui ça pour le faire? Les perdus. Les prennent en mer. Les viennent à l'école dans Port-au-Prince. Les gens quelques petits qui ont utilisé pour gang, pour effrayer même master, pour empêcher le sorti, pour les gens liés à. Et puis, système d'abonnement, vous voulez tête. C'est pas la violence en elle-même qui est mauvaise. Mais c'est qui ça la produit? Qui joue orientel pour faire quoi? Pour le pas aveugle, pour le pas totalement destructrice.
Parce que même dans l'histoire, qui étaient des leaders non violents, ils ont été victimes de la violence, qu'on prend Gandhi, qu'on prend Martin Luther King. Parce que son erreur, oui, le monde a dit, faut condamner la violence. Dans ce cas-là, ou condamner la vie, tout. Magique. Donc, comme papa enceinte, je ne pas coucher, je ne pas bannir son sanitiga, son itifi. Mais la violence fait partie de la vie, excusez-moi. C'est ça lié. C'est ça lié. Quand une femme donne naissance, elle passe à deux doigts de la mort. Parce que elle accouche dans la violence. Comme disait donc, encore une fois, le des fondateurs de la pensée marxiste, je regrette, c'est ça lié. La violence est la grande accoucheuse de l'histoire. C'est son rôle dans l'histoire. Mais ça dépend de qui joue avec Zessel, qui soit fort avec lui, qui boit Menel. Pour dire contre cause qu'on défend, non. Merci, oui, professeur Souka. Professeur, c'est moi pour remercier parce que il y a des bagages dans la vie longtemps, bonne occasion de dire, pour mettre les points sur les i. Parce que l'histoire officielle, comme disait Balzac, est une grande menteuse. Et bien souvent, c'est l'histoire qu'on a peur de dire, eh bien, qui dit les choses avec les intérêts de classe. Me répéter, le 1er janvier 1804, Dessalines à Pétion font pays pour eux. Ils mettaient Massieu sous côté, il y a le gourmet pour terre, Dessalines première victime. Et puis, qu'on y a là, masse paysanne, ils parlent, ils comptent qu'ils ont sorti pour faire servir esclaves. Et puis, ils parlent, comment s'entrer en révolte. Ils parlent au gourmand, ils parlent à Kao, ils parlent le mouvement avec Salnav, etc. Et vous connaissez, les réprimés, partisans Salnavio. Ou comme ça, on est dans le sud dédié des leaders paysans. Et je cite le nom de Gustave Brice. Les Salnavs tombent à fusiller depuis ce monde, ni dans la ville, ni dans la campagne qui est avec Salnav. Ou comme ça, le dit, leader paysan, yo. Salnav pas de fusiller, ou comme pour qui ça, il n'était pas de fusiller, ou il dit, attendez donc. On pas de fusiller de nous-mêmes pour nous retourner dans le bois à côté de nous, on pas jamais sortir dans le bois encore. Puis il faut bousser dans ce pays. Parce que le pays n'a pas foutu pour nous. Vous t'en causé? Oui, bien pile causé. Merci, professeur Souka. Passons une bonne journée. Ou même tout frère. À bientôt. À bientôt.